nous allons passer à la partie réalisation du jour. Et juste à s'abandonner, écouter, ressentir dans le corps une respiration. 1, 2, 3. Nous allons faire un Om d'amour pour tous celles et ceux qui sont là. 1, 2, 3. J'avais besoin d'équilibre. C'est pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de sécurité. Et j'avais besoin de stabilité. Une respiration. 1, 2, 3. Et plus j'allais me désidentifier de la personne conditionnée, plus j'allais me désidentifier de l'ego, le moi, le je, et plus autre chose allait vivre, existence, l'être, c'est pleurer. 1, 2, 3. Et progressivement, j'allais pouvoir intégrer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre et d'exister. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir le « je », le « moi » avait une fonction dans notre société. Il permettait de communiquer d'une certaine façon. L'identité, le « je », le « moi » permettait de jouer avec les autres « moi » dans la matrice. Et c'est pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir le « moi » n'est pas le problème. L'identité, le « je », l'ego n'est pas le problème. Le problème, entre guillemets, c'est la confusion identitaire. Croire que je suis la personne, c'est pleurer. 1, 2, 3. Avec du courage, avec du temps, j'allais pouvoir sortir de la personne progressivement. J'allais pouvoir me libérer de tous les traumatismes, conditionnements, de tout ce qui me faisait souffrir. Et c'est pleurer. 1, 2, 3. J'avais juste à passer du temps dans l'être grâce à du yoga, des méditations, des câlins, des pratiques dans la nature. Et c'est pleurer. 1, 2, 3. J'avais trouvé une voie pour me libérer. Il y en avait des millions, des milliards de voies. Chacun avait la sienne. Et certains partageaient des techniques pour se désidentifier, pour se libérer. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin d'aller à mon rythme afin de laisser s'évacuer, se libérer, sortir toutes les émotions stockées qui s'étaient accumulées avec les années. Et c'est pleurer. 1, 2, 3. Avec gentillesse et bienveillance, avec amour et abandon, progressivement, je m'occupais de la personne, je m'occupais de mon moi, de l'identité. Et c'est pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir, il n'était pas question d'être dur et sauvage vis-à-vis de la comprendre, de l'aimer, de voir qu'elle était totalement innocente. Et c'est pleurer. 1, 2, 3.
je n'avais pas besoin de rajouter des traumatismes supplémentaires avec de la culpabilité. Laissez pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de me libérer et de tout me pardonner. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je laisse pleurer. Je suis innocente, innocent. Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas responsable des conditionnements venant de mes parents. Je ne suis pas responsable des traumas venant de mes parents. Je me libère. Je fais tout ce que je peux. Je suis courageuse, courageux. Je me laisse guider par amour. Je me pardonne tout. Dans cette vie, dans toutes les vies. Et je me libère du je. Je me libère du moi. Je me libère de l'ego. Je me libère de l'identité. Et je crée une nouvelle identité que je partage pour aller un peu plus vite. C'est pleurer. 1, 2, 3. Dites avec moi, je crée dans ma vie un équilibre. J'équilibre en moi mes émotions, mon mental, mon corps physique et mon cœur. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je trouve ma stabilité à l'intérieur. Je suis ma propre stabilité. Je m'aime. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Une grande inspiration tous ensemble. 1, 2, 3. Abandon. Restons quelques instants à ressentir le bas du dos, l'ancrage, et dans quelques minutes nous passerons aux initiations Shaktipat d'éveil de Kundalini.